Every time that I see your face, it always makes me smile. Oh, and every time that I drive to you, it's always worth my while. Oh, so let me sing for you, like the birds in the mountains do, like a child who cries for you. Bonjour à tous, ici Dingo Dorwan. Petite vidéo ici pour... Je viens de recevoir un colis. C'est un colis que j'ai commandé le 26 novembre. Aujourd'hui, on est le 30 janvier. Donc, vous pouvez imaginer... Donc, je me suis donné une date limite. Je me suis dit... Donc, hier, je me suis dit, je vais déposer un litige chez Gearbest pour leur dire que j'ai pas reçu le colis. J'ai dit après je me suis dit allez je les laisse encore un jour parce que j'ai reçu tous les colis pour ceux qui ont vu ma grosse vidéo déballage plus explication comment commander en Chine. Donc merci à David encore hein, il participe activement au blog et répond en plus j'ai vu qu'il répond aux commentaires. Moi j'étais occupé de travailler donc j'ai pas le temps de répondre aux commentaires donc c'est bien il a fait pour moi. Donc je l'en remercie. Un grand merci David. Merci aussi pour tes retours. Donc, j'avais commandé une coque pour le Mi A1 et donc le 26 novembre et j'ai reçu aujourd'hui. Donc le 30 janvier. Donc ça a mis plus de 2 mois pour arriver. Et j'avais commandé ça avec. Pour une fois que je commande 2 objets en même temps. Donc j'avais commandé ça aussi. Donc c'était aussi en bon plan. Donc un adaptateur micro USB. Donc USB vers USB type C. Donc c'est très pratique hein, pour brancher à son PC. Et un adaptateur aussi USB type C micro USB. Donc ça, j'en avais déjà acheté, mais c'était vendu l'ensemble. Je pense que j'ai payé ça 50 centimes. La coque silicone, je l'ai payé 1 euro, 1,09 €. Donc je vais le tester après. Donc on va la placer après. Et j'ai reçu aujourd'hui un autre colis. Donc là, c'est une commande un peu plus proche. Je ne sais pas ce que c'est, donc on va regarder ensemble. Donc vraiment, patientez, hein, les colis ils arrivent, parce que beaucoup portent plainte avant, et ils n'ont pas de patience, c'est la Chine, il faut avoir beaucoup de patience. Donc ça, c'est une boîte en carton. Il n'y avait rien de marqué sur la boîte. Bon, j'ai une petite idée. Ah, ok. Ok, c'est ce que ma femme attendait. Donc, j'avais mis en bon plan. Donc, c'est vrai que c'est un peu cher. Même ma femme me disait c'est un peu cher. Mais, à payer 10 euros pour un protège-nuque, donc un coussin protège-nuque normal, gonflable, ou allez, 7 euros allez, dans les meilleurs prix. Ou payer, celui-là je l'ai payé 20 euros ou 19, entre 19 et 20 euros. Donc comme d'habitude, hein, pas de frais de douane. Donc de toute façon, le montant je pense qu'il dépasse, il ne dépasse pas. Hein. Donc le, je ne sais plus comment ils appellent ça chez, on va regarder ça, donc sur mes commandes. Donc je suis étonné que c'est déjà arrivé. Bon, tant mieux. Donc on n'a pas fait le tour de la boîte. Donc pour ceux qui se demandent ce que c'est encore, donc ici on voit le dessin. Sur la boîte ici on voit le dessin. Parce que la boîte elle est un peu grande. Donc ça vous voyez que c'est un protège nuque. Donc il est électrique apparemment. On va regarder sur Gearbest. Parce que je l'ai acheté encore sur Gearbest. Si je propose des deals sur Gearbest, c'est parce que c'est eux qui ont aujourd'hui les meilleurs prix. Donc dès que je vois un truc qui m'intéresse, je regarde sur tous les blogs, je demande, je négocie un prix, et c'est toujours Gearbest qui me donne le meilleur prix.
si demain c'est Banggood qui me donne le meilleur prix ou TinyDeal, pas de problème, ou AliExpress, hein, pas de problème, je vous mettrai sur mon blog. Mais à chaque fois, c'est vraiment Gearbest qui remporte l'affaire. Parce que je regarde tout, hein. Il y en a qui mettent un prix allez, de 15 euros par exemple, mais par la suite, il faut rajouter le transport, parce que le transport n'est pas gratuit. Il faut parfois payer des suppléments. Banggood, c'est plus rare. En général, on a le transport gratuit. Ça dépend des articles. Mais sinon, ça va aussi. Banggood, j'ai déjà commandé comme le capteur de température de chez Xiaomi, le nouveau avec affichage. Donc les gros thermographes, comme ils appellent. Donc je suis en train de regarder, hein. Donc sur mes commandes. Ah, j'ai laissé le haut-parleur allumé, on va l'éteindre. Parce que juste avant, je faisais la vidéo du haut-parleur. Comme ça, j'enchaîne les vidéos. Parce que là, ça commence à s'accumuler. Et là, j'ai pas beaucoup de temps. Donc dans un quart d'heure, je vais être parti. Donc actuellement, voilà. Donc c'est ici. Là, il est affiché à 29,65 €. Je vais regarder. Moi, je l'ai payé 20,82 € exactement. Donc juste en dessous des 21 €. Donc sinon, s'il est pris par la douane, je paye des frais de douane. Mais j'ai une technique pour pas payer les frais de douane. Je dirai pas, j'ai déjà dit dans une des vidéos, je dirai pas comment faire parce que c'est pas légal et je veux pas que vous fassiez des choses pas légales. Donc sinon suivez mes conseils et à coup sûr vous allez jamais avoir de frais de douane sauf si vous commandez des smartphones. Les smartphones, c'est une plaie. Vous êtes sûr que c'est tenu par la douane et vous allez avoir des frais de douane. Donc ils appellent ça le l'Eravan. Donc massage de nuque. Bon, on va ouvrir ça. Donc c'est fourni dans un film comme ça. Donc il y a un manuel dedans. Donc tout en chinois comme d'habitude. Donc il fonctionne avec pile. Donc il y a des massages, le massage dure 10 minutes apparemment. Donc ce qui est bien, c'est que ça se lave. Donc la housse se lave. Donc contrairement aux autres protège-nuque où ça se lave pas, ça se jette plutôt. Donc j'ai dit ça, au moins c'est durable. Et ils fournissent les piles. Donc en général, Gearbest a tendance à enlever les piles. Ici, ils les ont laissées. Mais c'était dans le commentaire qui fournissait les piles. Mais bon. Donc c'est des piles, c'est même pas des piles Xiaomi. C'est des piles classiques chinoises. Donc Sumpado. Bon. Hop, ils sont vraiment congelés, hein, parce qu'il fait froid dehors. Et le colis, la factrice a été sympa. Elle l'a laissé devant ma véranda, comme ça. Comme ça, je ne dois pas aller le chercher à la poste. Donc le coussin, donc j'essaye de vous montrer ça. On va reculer un petit peu ça. Donc la mousse, elle est vraiment, voilà, elle prend la forme, elle est confortable. Donc apparemment, il y a le zip ici. Voilà, pour mettre les piles. On va mettre les piles. Voilà. Hop. Bon, faut réussir à le remettre dedans.
Donc il y a le cordon ici. Donc si on veut pas, donc le cordon ici, il est aimanté. Donc c'est pratique. Mais si on veut pas de cordon, apparemment, on sait faire ça, ce que j'avais vu. Après, je sais pas. On sait tirer ça ici, je pense, ou comme ça. C'est de l'autre sens. Voilà, on sait faire ça. Après, je ne sais pas de l'autre côté comment il se débrouille pour faire. Il y a toujours un cordon qui reste apparemment. Sinon, on peut faire ça. Ça, vous voyez. Et si vous ne voulez pas que le cordon y pend. Donc ça, je ne sais pas si on sait le planquer ou pas. Non, apparemment non. Donc, ils ont prévu un côté, mais pas l'autre. Bon, moins que on sait... Bon, sinon c'est pas dérangeant. Hein. C'est ma femme qui a chipoté un peu sur le cordon. Ah bon, si on appuie sur le bouton tout simplement, je sais pas si vous entendez. Donc il y a différents modes de massage, on dirait. Donc il y a vibration comme ça. Ou il y a des différents modes, je sais pas. Donc là, ça accélère, ça diminue. Donc pour l'allumer, il faut rester appuyé sur le bouton. Et pour l'éteindre, pareil. Il faut rester appuyé sur le bouton. Le bouton est ici. La coque, donc on sent pas, on sent un petit peu les piles ici, mais pas, c'est léger, hein. C'est léger, donc ils ont bien fait ça. Donc je le mets autour de mon cou. Donc il y a des petites vibrations sur ma nuque. C'est pas désagréable. Il faut voir sur du long terme. Apparemment ça dure 10 minutes. Donc je vais retourner la caméra. Et comme ça vous pouvez voir un petit peu. Donc le massage, c'est sympa, c'est ni violent, c'est agréable, c'est très agréable, je suis surpris. Ça détend bien, et c'est vrai, ça, il n'est pas dérangeant, il a l'air gros comme ça, mais c'est vraiment pas dérangeant. C'est très, très pratique, c'est très bien. Parfait, madame, elle sera contente. Et bien sûr, j'utiliserai aussi. Donc, on l'a acheté pour l'avion. Donc, comme ça, on fera. On a un long voyage, donc c'est pour ça. Donc, dans l'avion, c'est bien sympathique, même si parfois ils en donnent ou si on demande. Mais avoir le sien, c'est toujours mieux. Donc les cordons là, bon, sont pas dérangeants. Donc je fais pause et on se retrouve là-bas. Donc vraiment, on peut dire que 20 €, allez, c'est cher. Mais pour le résultat, donc une fois que je l'ai retiré du coup, je sens mon cou, en fait, ma tête légère. C'est étonnant. Donc c'est comme si qu'on a fait une séance de massage. C'est très agréable. Bon, je vous le conseille, hein, 20 €, c'est vraiment pas cher.
C'est sûr, là, il est affiché à 29 €. J'ai regardé si je peux avoir un autre code promo pour essayer encore de vous l'avoir moins cher. Parce que c'est vrai, parfois, moi, je paye plus cher les objets que je réussis à vous négocier par la suite. Parce que je renégocie un autre code promo une fois que je reçois l'objet et je vous fais la vidéo. Et c'est vrai que parfois, je me fais avoir, mais pas grand-chose, hein. Parfois, c'est aller 20 centimes, parfois, c'est 1 euro, 2 euros. C'est toujours léger, hein. Mais c'est toujours une perte vu le nombre d'objets que je commande. Donc, je vous mets le lien dans la description comme d'habitude. Vous le retrouverez sur mon blog. Donc, abonnez-vous. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous aussi sur mon blog, hein, bien sûr. À la prochaine. C'était Dingo Darwan. Donc petite précision, oui, le cordon, donc c'est pour le replier. Donc vous avez le cordon ici, c'est pour le replier. Donc hop, vous voyez, donc ils ont pensé à tout. Donc si vous voulez le replier, il se plie pour que ça prend moins de place. Faites comme ça. Et vous prenez ici. Voilà, c'est plié et vous pouvez encore serrer. Bon, il y a une limite bien sûr, mais. Donc c'est aimanté, voilà. Et il est rétréci. Bon, ça reste toujours bon, imposant, mais ça va. Donc c'était la petite précision. À la prochaine! Like the attention, girl, I know you.